d'aquí de l'Amazonie, en ce territoire Huaorani. Ici, nous sommes en Amazonie, en territoire Huaorani. La selva ecuatoriana, unica etnia. Tout au fond de la selva équatorienne, nous sommes l'unique ethnie à vivre selon nos coutumes traditionnelles. Mais la civilisation est arrivée, il y a longtemps déjà, 50 ou 60 ans. Elle a bouleversé notre mode de vie. Aujourd'hui, à cause de la civilisation, je pense que nous allons perdre notre territoire et que dans 10 ans, il n'y aura plus de Huaorani. Sur le continent sud-américain, l'Équateur exploite depuis les années 70 les réserves en pétrole de sa forêt primaire, la selva. Pour mener à bien son plan de développement, le gouvernement traça des routes à travers la selva. Au début 80, les exploitations pétrolières arrivèrent sur le territoire Huaorani et une nouvelle route fut tracée. Tout de suite, la déforestation entraîna des problèmes avec cette peuplade dont personne ne savait rien, ou si peu. Aujourd'hui, tout au fond de la forêt amazonienne, sur le rio Cononaco, une communauté Huaorani tente de préserver son mode de vie dans le village de Bameno. Je m'appelle Penti et je vis sur le rio Cononaco dans la communauté de Bameno. J'ai 36 ans et je vis avec ma femme. J'ai 8 enfants. Mon premier s'appelle Tepeña, il a 18 ans. L'autre s'appelle Boya, il a 9 ans. Et la petite dernière, Kena, qui a 2 ans. C'est ma petite chérie, ma préférée, c'est mon dernier enfant. Je vis dans une maison traditionnelle. Il y a de quoi manger, se reposer ou dormir. Des fois, on y fait des flèches, des lances, des carquois ou des hamacs. Ici, en Amazonie, on élève sa famille dans la selva. Mais la vie est tranquille. Même si pour pouvoir manger, je dois aller chasser pour rapporter de la viande, je dois travailler la yuca pour avoir de la chicha. Ici, on n'est pas habitué à se vêtir. Si quelqu'un se considère comme un Huaorani, il reste au naturel. S'habiller, cela vient d'une autre culture, c'est pour ceux qui ont honte. Le corps est important pour connaître la vie d'un homme. Il faut le montrer. C'est notre façon de vivre ici, en Amazonie. Il y a plusieurs communautés Huaorani. Sur tout le territoire, il y en a 34, ce qui représente environ 2000 personnes vivant un peu partout. Dans la communauté de Bameno, nous sommes à peu près 80 à 90 personnes, avec les enfants, les adultes et les anciens. Nous vivons de la pêche, de la chasse et de la récolte de la selva. Nous survivons grâce à la selva et aux rivières, car c'est ce qui nous donne la vie. Aujourd'hui, nous subissons les dommages causés par les compagnies pétrolières et les coupeurs de bois, car il n'y a pas de contrôle du territoire Huaorani. Allez,
Il y a 7 compagnies qui se partagent notre territoire. La pollution nous gêne énormément. C'est pour ça que les animaux s'en vont toujours plus loin. Et nous, nous ne pouvons plus chasser. À cause de la pollution, maintenant, pour pêcher, il faut aller très loin pour apporter quelque chose. Penty et ses compagnons s'enfoncent dans la selva. Mais avant de commencer à pêcher, les femmes doivent confectionner un curieux mélange à base de terre. Les hommes les accompagnent et restent à l'affût au cas où une proie se présenterait. Le mode de pêche que nous utilisons, on l'appelle cuni. En espagnol, on dit feuille de barbasco. Cette pêche est un travail de femme, car ce sont elles qui ont l'habitude de préparer. Elles aident aussi en ramassant le poisson. Nous sommes en train d'écraser la barbasco pour récolter une pâte épaisse, un mélange avec de la terre. C'est pour pêcher dans cette rivière. Ce poison est très fort. Dès qu'ils le sentent, ils fuient. C'est naturel. C'est du venin. On doit faire attention, c'est très délicat. Si un enfant mange une feuille, il peut être engourdi et même mourir. Chez les Waorani, les plus âgés participent comme tous les autres aux tâches quotidiennes. À 63 ans, Yemenka est la doyenne de la communauté. C'est elle qui prend l'initiative. La pêche est sous sa responsabilité. Les fortes pluies de ces derniers jours ne présagent rien de bon. Dans la rivière, les femmes se chargent de diluer le poison de barbasco. Les autres attendent plus bas que le courant diffuse le venin. Nous utilisons des filets en fibre végétale pour ramasser le poisson. Nous tissons une palme et nous lui donnons la forme du filet. Ce poisson s'appelle Kayachama. En Waorani, on dit Oba. Ce poisson est très bon, il n'y a pas d'arête. De retour à la communauté, Penty et les siens ne rapportent ce jour-là qu'un poisson. Trop peu pour alimenter tout le monde au village. Heureusement, dans les Nanikabos, ces grandes huttes familiales aux toits de palme, la nourriture ne fait pas vraiment défaut. Il y a encore quelques réserves de viande grâce aux animaux capturés. Mais il va falloir s'organiser pour trouver à manger. Parfois, nous pêchons aussi des caïmans. Nous les sortons du fleuve en les tuant avec nos lances. Des fois, nous récupérons les petits pour les élever, pour qu'ils deviennent plus gros, et après, on les mange.
La viande de caïman est tendre, elle est très bonne. En début d'après-midi, afin de préparer la chasse du lendemain, les Waorani partent en forêt, chercher un ingrédient essentiel à leur mode de vie. Nous sommes en train de chercher une grosse liane plate qui naît en haut d'un arbre et qui descend jusqu'au sol. Cette plante s'appelle onta en Waorani. En espagnol, on dit curare ou poison. C'est une liane qui pousse dans la selva, c'est naturel. Nous devons la gratter pour obtenir une poudre à partir de laquelle nous fabriquons le poison. C'est un poison naturel, il n'y a pas de mélange. C'est du pur venin. C'est une forme de chasse ancestrale, car nos ancêtres l'ont toujours utilisée. Le curare est le poison le plus puissant que nous ayons. Le curare est un venin classique, tous les chasseurs l'utilisent. Pour préparer le curare, il faut environ une journée. On doit d'abord aller le chercher, puis le préparer, avant de le faire sécher. De retour au village, la poudre rapportée par Penti et les deux doyens de la communauté, Kimperi et Awa, doit encore être travaillée avant de servir pour la chasse. Nous commençons la préparation du curare. Après l'avoir attaché, on y déverse de l'eau pour faire un goutte à goutte et on obtient alors un liquide de couleur café. Le poison est liquide, mais après l'avoir chauffé, il s'épaissit. Ce poison affecte seulement le sang de l'animal. Le venin entre dans le corps de l'animal et touche le cœur. Mais lorsqu'on cuisine, il n'y a pas de danger. La chaleur fait évaporer le poison et on peut manger tranquillement. Cela ne peut pas affecter l'homme. C'est naturel. Il suffit de viser un singe dans un arbre. Il reçoit une fléchette ou deux, et après un moment, il ne peut plus avancer. Là, on lui lance une autre flèche pour l'affaiblir encore, et après, il tombe et meurt. Chez les Waorani, chacun connaît sa place au sein de la communauté. Il n'y a pas vraiment de chef, mais un profond respect envers les anciens, détenteurs des traditions et du savoir-faire ancestral. Mais depuis les premiers contacts en 1956 et avec la civilisation, leur outillage a nettement évolué. Ah
Maintenant, pour travailler, nous utilisons le métal, comme la machette, la hache et les couteaux. Car avant, nous n'en avions pas. Pour nos ancêtres, c'était très dur de travailler, car il était très difficile de trouver une pierre et de la casser en deux pour que ça devienne coupant. Maintenant, depuis 60 ans, c'est plus facile avec le métal. Dans la communauté, toutes les familles s'entraident. Par exemple, on se réunit dans une maison et tous ensemble, nous fabriquons nos lances. Moya est un jeune de notre communauté qui voudrait se marier. L'homme, pour pouvoir se marier, doit être un travailleur. Il doit savoir faire une lance et chasser. Après, il peut se marier comme un guerrier Waorani. Je crois que ça fait un an que Moya fréquente cette jeune fille. Une demoiselle pour se marier doit se vêtir avec des vêtements traditionnels, naturels, maquillée avec de la chouté et porter des plumes. La fiancée s'appelle Mayra, elle a 16 ans. À Bameno, c'est Yemenka la bavarde et Minéou la sage qui organisent le travail des femmes. La grosseur de leurs boucles d'oreilles en balsa témoigne de leur position dans le groupe. Même si aujourd'hui, la coutume a pratiquement disparu. Dans cette société, les femmes ont un rôle très actif. Ce sont elles qui organisent le quotidien de la communauté. Les anciens sont très importants pour la communauté. Ils nous transmettent leur culture. Et nos enfants peuvent apprendre nos coutumes grâce à eux. En fin de journée, à Bameno, Penti rejoint les hommes de la communauté pour des séances quotidiennes de maniement d'armes. Pour les plus jeunes, le moment est crucial, car les plus habiles accompagneront peut-être les adultes à la chasse qui se prépare. Lorsque Fabian trouve une fourmilière dans un arbre, la situation ne peut que dégénérer. Vamos, 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 vamos
Ce que l'on appelle bourra, ça nous plaît beaucoup. Nous avons l'habitude de manger ces fourmis. Nous en avons toujours mangé. Nous en prenons dès le petit déjeuner. Avec la lumière, elles sont attirées, et c'est là qu'elles se brûlent les ailes. Parfois, certaines s'échappent et s'envolent, d'autres tombent au sol. Cette fourmi a un goût très laiteux. C'est bon, c'est de la couleur du lait. Ça se mange cru, mais certains les mangent grillés. Après un bon petit déjeuner, Penti et ses compagnons partent à la chasse. Tous les Guarani vivent près d'un rio, car nous en avons besoin pour vivre, pour se laver et boire. Mais sur le territoire Guarani, nous sommes désespérés. Ce qui nous blesse, ce sont les compagnies qui détruisent toutes les richesses de notre nature. Les pétroliers amènent un tube jusqu'à la rivière. Ils nous disent qu'ils déversent de l'eau potable. En fait, ils jettent de l'essence dans le rio. Après, les enfants se baignent dans le fleuve. Et ensuite, ils ont des coliques, des douleurs et des champignons. Pour nous, c'est terrible. Les poissons, les gens, la nature, tout ce qui vit consomme de l'eau. C'est un fait. Pour les Waorani, la situation semble désespérée.
les pétroliers sont à moins de 250 km de Bameno. Et dans tous les pays andins, tous les gros fleuves qui descendent de la cordillère des Andes pour alimenter l'Amazone sont tous pollués. Un vrai désastre. Pendant ce temps, près du village, les femmes partent recueillir le fruit d'une petite agriculture vivrière. Les femmes qui vivent ici s'en vont récolter des yuccas et ramasser des fruits. Chaque famille a son champ de yucca pour avoir suffisamment de nourriture. Il y a aussi de la canne à sucre, des plantains, des papayes, du maïs et aussi du canoté. Chaque famille a également son champ pour récolter. C'est très important la récolte de la selva. Dans la selva, les chasseurs s'enfoncent toujours plus loin à la recherche de gibier. Nous chassons toujours près d'un rio, sur une rive ou sur l'autre, pas très loin de la communauté. Nous changeons tout le temps d'endroit. Parfois, quand nous allons à la chasse, nous ne trouvons pas d'animaux. La selva est grande et ils se cachent dans les arbres. La sarbacane ne fait pas de bruit et nous pouvons tuer les animaux tranquillement. Les animaux que nous tirons ne s'en vont pas car il n'y a pas de bruit, c'est naturel. C'est une forme de chasse ancestrale et nos ancêtres l'ont toujours pratiquée. La sarbacane, c'est très efficace pour la chasse. Quand c'est un singe, parfois il se dissimule dans un grand arbre et il y a des branches qui nous empêchent de tirer. Alors on se sépare afin de pouvoir l'encercler. Quelquefois, un chasseur doit monter à un arbre pour pouvoir tirer des flèches empoisonnées. On peut aussi grimper dans un arbre simplement pour que le singe ne puisse pas s'enfuir en changeant d'arbre. Lorsqu'un singe s'enfuit après avoir reçu une flèche, il court environ 20 minutes
et après il meurt. C'est facile. La sarbacane, tous les chasseurs l'utilisent. Il faut être à 20 ou 30 mètres. Ça dépend où se trouve l'animal. Mais en général, nous tuons à cette distance. De retour à Bameno, les femmes rapportent les racines de yucca. Consommée tous les jours, la yucca reste l'aliment de base des Waorani, mais aussi de tous les peuples de la région amazonienne. La chicha se fabrique avec les racines de yucca que les femmes ont ramenées dans des paniers. Il n'y a pas d'écriture Waorani, il y a juste la mémoire des chants de nos ancêtres qui se transmettent à travers les générations pour que les enfants puissent les chanter. C'est important pour ne pas perdre nos coutumes, pour conserver cette culture, cette façon de vivre des Waorani. Après les avoir cuites, on retire l'eau chaude. Les femmes les écrasent. Et ensuite, elle commence à les mastiquer dans la bouche pour que ça puisse fermenter. Quand la yucca n'est pas mastiquée, la chicha ne peut pas fermenter. C'est une coutume depuis toujours. Nous devons mastiquer pour avoir une bonne chicha, pour que ce soit doux et sucré. C'est du pur yucca. C'est naturel. Malgré des kilomètres parcourus dans la forêt, les chasseurs n'ont pas trouvé beaucoup de gibier. Ce soir, au village, il n'y aura pas de viande pour tout le monde. Il faudra encore se contenter de la chicha. Quand nous allons à la chasse, nous emportons toujours un peu de chicha. On en prend dès le petit déjeuner une tasse ou deux. Après, on peut courir après la viande jusqu'à ce que le soir tombe. Après, on en boit encore une tasse ou deux chacun. C'est suffisant pour rentrer car cette chicha est bien épaisse et remplie l'estomac. C'est délicieux. Ce singe s'appelle Chongo. Nous l'appelons Gata. Il vit dans un arbre et mange des feuilles et des fruits.
Les Guarani adorent manger de la viande de singe, mais il y a des saisons. Parce qu'en janvier ou février, à la saison des fruits, les singes grossissent. Ils sont gras et gros, et ont plus de saveur. Nous sommes en train de faire du feu avec Kim Perry pour que les femmes puissent faire de la céramique. C'est la seule façon pour allumer le feu. C'est très dur à cause de l'humidité. Les Guarani peuvent avoir deux ou trois femmes. Moi, j'aimerais bien avoir deux épouses, car ça met de la joie à la vie. Il n'y a pas de conflit entre les femmes. Alors c'est pour ça que mes parents, mes oncles, en ont toujours eu deux ou trois. C'est la vie. Le mariage que va faire Moya avec la jeune Mayra plaît à tout le monde. Je crois qu'il voudrait qu'elle soit déjà sa femme. Nous cherchons un grand arbre pour fabriquer une pirogue. On a besoin d'utiliser le cèdre blanc, du chonco ou du cèdre rouge. Mais maintenant, du cèdre rouge, il n'y en a plus. Et s'il y en a, c'est vraiment très loin dans la selva. Et nous ne pouvons pas porter le tronc. Pourtant, ils étaient là, ces arbres, depuis bien des années. Et cet arbre, le cèdre rouge, nous ne le verrons plus jamais repoussé par ici. Il a disparu. Les entreprises de coupeurs de bois nous envahissent. C'est pourtant une zone protégée. Rien ne leur importe. Ils coupent tous les grands arbres. Ils ont coupé tous ceux que nous avions. Il faut des années pour voir pousser un cèdre rouge. À cause de ça, nous avons déjà perdu une grande partie de notre territoire. Quand ils arrivent, ils construisent des routes, ils font du bruit. C'est pour ça que les animaux s'en vont toujours plus loin. Nous aimerions que les coupeurs de bois s'en aillent. Pour eux, ce n'est pas important, ils disent qu'ils coupent des arbres. Nous, nous disons qu'ils les tuent.
Aujourd'hui, le long des fleuves et des rivières du territoire Huaorani, il n'y a plus un seul arbre précieux. Les scieries ambulantes s'attaquent désormais à l'intérieur de la selva, où les arbres sont débités sur place. L'Équateur a perdu 50% de sa forêt en 50 ans. Chaque année, 100 000 km² de forêt vierge partent en fumée en Amazonie. Chez les Huaorani, la connaissance et l'usage des plantes de la forêt sont réservés aux chamans. À 12 ans, Fabian commence son apprentissage. Kimperi est le chaman du village. Il nous soigne lorsque quelqu'un est malade, quand on a de la fièvre. Il soigne avec seulement des plantes médicinales. Après Kimperi, son successeur au village pourrait être un enfant qui l'a guéri, car son pouvoir se transmet à un enfant malade. Comme tous les jours en fin d'après-midi, la communauté se réunit au bord du fleuve. Pour Moya, c'est l'occasion, la veille de son mariage, d'approcher Maïra, sa jeune fiancée. Pour construire une pirogue, ils se relaieront durant 2 semaines pour en achever la construction. Ce matin, la petite Kenna ne se sent pas bien. Ses parents la conduisent chez Kimperi. Non,
Porque antiguamente no había la enfermedad tan grave. Auparavant, il n'y avait pas beaucoup de maladies graves par ici. Pas autant. Mais depuis des années, la civilisation est arrivée avec de nouvelles maladies. C'est très dangereux pour les Warani. Les gens qui viennent du dehors arrivent avec la grippe et nous la transmettent. Pour un enfant, c'est facile d'attraper la grippe ou la toux. Mais après 15 jours ou un mois, après avoir attrapé ces maladies, il peut mourir et on ne peut pas le sauver. Si les entreprises viennent par ici, nous allons perdre notre territoire et les Warani vont disparaître. C'est notre futur. Je pense que les Warani, s'ils ne luttent pas pour survivre, on ne les verra plus. Si on continue comme ça, on n'a pas d'avenir. Les Warani sont pacifistes. Mais il faut lutter sans cesse pour conserver notre selva. Nous apprenons à lutter pour protéger la nature amazonienne. C'est pour cela que nous essayons de nous défendre. Ici, c'est notre maison, notre selva où nous existons. Les entreprises descendent toujours plus bas. Et nous sommes obligés de dire « ça suffit » pour qu'ils ne rentrent plus sur notre territoire. Ils veulent aller au sud, vers notre zone. Ça fait déjà 20 ans qu'ils nous empoisonnent la vie. Nous avons toujours dit que les gens qui viendraient nous menacer dans nos maisons ou qui viendraient couper des arbres, les gens qui tuent ne doivent pas venir, comme l'avait promis le gouvernement. Mais s'ils arrivent, que pourrons-nous faire d'autre que de les tuer ? Moi, je veux vivre comme un Warani. Je ne veux pas que cette forêt meure. Car la selva, c'est la nature. Et la nature, c'est ma vie. Elle va servir à mes enfants et à mes petits-enfants. Et donc, tout cela, je veux le garder. Car c'est la seule chose que nous connaissons du monde.